Bonsoir et bienvenue à tous. Parmi les organes de régulation qui existent au Congo, il y a en très bonne place l'Agence de régulation des postes et communications électroniques, ARPCE, créée en 2009. L'objet de la présente émission, c'est de vous faire redécouvrir cet instrument qui existe depuis 11 ans déjà, qui fait un travail formidable, mais mal connu du grand public. Alors, aujourd'hui, nous allons donc recevoir le directeur général de l'ARPCE, M. Louis-Marc Tsakala, qui est là depuis avril 2020. Monsieur le DG, merci et bienvenue à l'émission. Vous êtes là depuis avril 2020, ça fait 7 mois à peine, mais on ne peut pas dire que vous êtes un nouveau, parce que vous êtes là depuis la création pratiquement. Exactement. Oui. C'est bien ça. C'est bien ça, exact. Donc, on ne peut pas dire que vous découvrez la maison. Vous êtes même parmi les cofondateurs de la RPCE. Je dirais que je suis là depuis le début. Depuis le début, oui. Voilà. Bon, ce sera le sujet central de notre émission, mais après le reportage intro de Miafuna Mbungu. À tout à l'heure. Acteur clé des postes et des communications électroniques au Congo, l'ARPCE est le bras opérationnel et technique de l'État congolais en matière de contrôle, de suivi et de régulation des secteurs des postes et des communications électroniques. Institution administrative publique dotée de la personnalité juridique pour assurer la bonne gouvernance des secteurs placés sous son autorité, elle a la délicate mission de garantir et de protéger à la fois les intérêts de l'État, des opérateurs et des consommateurs. En tant que régulateur, l'agence accorde une attention particulière à l'économie numérique qui s'impose aujourd'hui comme un des leviers de la croissance de l'économie mondiale au regard des revenus qu'elle génère. Grâce à son personnel qualifié de dynamique tout aussi polyvalent, l'ARPCE rêve de faire entrer le Congo dans le top 5 des pays africains, leaders des postes et communications électroniques, un véritable challenge. Placé sous le leadership de son directeur général Louis-Marc Tsakala aux commandes de l'institution depuis 7 mois à peine, ce jeune ingénieur en informatique et génie des télécommunications formé dans les universités françaises, la trentaine à peine révolue née en juin 1982 à Pointe-Noire est passée par l'école militaire préparatoire générale Leclerc. Sa vie professionnelle commence en France à partir de 2007 quand il intègre la société européenne EADS en qualité d'ingénieur système. Une année plus tard, c'est Thales Communications, une entreprise française qui le débauche et qui fait de lui son ingénieur système intégration et validation. C'est de là que le premier directeur général de l'ARPCE, Yves Castanou, qui entendait valoriser les compétences congolaises tant locales que celles de la diaspora, lui propose de rejoindre le pays pour se mettre à la disposition de l'ARPCE. Marc Tsakala est à la croisée des chemins, rejoindre le pays ou rester en France, le cœur balance. Après réflexion, la fibre patriotique amène le jeune ingénieur à quitter Thales, cette entreprise française de renommée internationale, pour l'ARPCE où depuis 10 ans, il a activement participé à la mise en œuvre et à l'aboutissement des projets majeurs de cette agence de régulation, à gravir les marches des différents échelons, jusqu'à être porté quelques années plus tard au prestigieux poste de directeur général pour un mandat de 6 ans d'après la législation congolaise. Monsieur Tsakala, à 38 ans, vous êtes un jeune cadre dynamique, bourré de talent, m'a-t-on dit. Et pendant 10 ans, vous avez été adjoint de Monsieur Castanou, votre prédécesseur. D'abord, pourquoi il est parti? Est-ce que c'était la fin d'un mandat ou c'est dû à des raisons qu'on ne dit jamais au public? Non, le mandat effectivement était de 6 ans, oui. Selon la loi congolaise. Mmh. Mais il y a une loi au niveau de la CEMAC qui permet aux régulateurs de rester 2 fois 5 ans, donc 10 ans. Aujourd'hui,
il n'est pas parti à cause de la fin d'un mandat ou d'une incompétence quelconque. Ah. Bien loin de là. Ah. Il est parti. Parce qu'on a beaucoup spéculé dessus. Hein. Oui, exactement. Yeah. Bon, on ne peut pas interdire les gens de dire des choses. Absolument. Il est parti pour accomplir une mission qui lui a été confiée au plus haut niveau. D'accord. Et comment le choix s'est porté sur vous ? Vous avez postulé, vous avez sollicité ou comment ça s'est passé ? Je pense qu'au plus haut niveau, la personne qui nomme a certainement reçu plusieurs candidatures et puis a fait un choix. Bon, alors dites-nous un peu, pourquoi le Congo a-t-il décidé de se doter d'un instrument comme l'ARPCE ? L'ARPCE, d'abord, n'est pas une agence comme les autres. L'ARPCE est une autorité de régulation. Mmh. Une autorité de régulation pour la simple raison qu'il y a bien des années, le marché n'était pas libéralisé, n'était pas ouvert. Nous avons connu, avant les années 2000, un seul opérateur qui était l'ONPT à l'époque, qui après est devenu Sotelco et est devenu aujourd'hui Congo Télécom. Mais le marché s'est libéralisé avec l'évolution de la technologie. Il a fallu faire entrer sur le marché des acteurs privés. Des acteurs privés dont la première entreprise fut ici, Sirtel, à l'époque, oui. Qui après a vu la naissance un peu plus tard de Libertis et l'arrivée de Celtel et ainsi de suite. Alors, ça fait que cela montre que le marché a connu des nouveaux entrants, des acteurs du privé, et que l'entreprise étatique, l'entreprise historique, n'était plus l'entreprise seule maître du secteur. Pour cela, il faut donc mettre des règles en place qui permettent de sécuriser le marché, de permettre à ces actionnaires qui investissent au Congo, parce qu'il ne faut pas oublier que toutes ces entreprises qui viennent au Congo investissent de l'argent, investissent aussi de la compétence, créent de l'emploi. Donc il fallait créer un environnement qui permette à toutes ces entreprises de jouer un même jeu avec les mêmes conditions. Et comme l'État congolais est actionnaire unique de l'entreprise historique Congo Télécom, l'État congolais se devrait aussi d'avoir un organe comme un arbitre qui permettrait de ne pas avoir de parti pris. Donc l'ARPCE est là pour sécuriser le marché des postes et des communications électroniques. L'ARPCE là étant que la gardienne des réseaux de communications électroniques et des services postaux. L'ARPCE doit rendre les comptes. L'ARPCE n'est pas le chef du secteur, non. L'ARPCE est plutôt même, je dirais, le serviteur du secteur parce que nos véritables clients sont de trois niveaux. Nous avons l'État qui est notre premier client et l'État veut gagner de l'argent sur le secteur. L'État veut un marché qui soit sécurisé et qui ne connaisse pas la chute comme dans certains pays. Les opérateurs privés et même l'opérateur historique, ils ont besoin d'avoir des règles de marché, des règles d'échange et de fonctionnement qui soient clarifiées avec un arbitre neutre. Et nous sommes aussi là, surtout pour les consommateurs. Alors, beaucoup pensent que l'ARPCE, c'est uniquement la téléphonie. Ça me paraît un peu réducteur. Hein? Alors, présentez-nous votre champ de compétences. L'ARPCE, comme déjà son nom l'indique, c'est l'agence de régulation des postes et des communications électroniques. Je vais commencer par les postes. Nous ne nous occupons pas d'une entreprise postale quelconque, nous nous occupons d'un secteur, le secteur postal. Le secteur, voilà. Et le secteur postal, il y a tous les acteurs de services postaux. Il y a déjà la Sopeco, qui est la plus ancienne, mais vous avez les entreprises telles que DHL, telles qu'ACC, tous ceux qui font des transports de colis sont régulés par l'agence de régulation des postes commerciaux électroniques. Dans le second secteur, qui est les communications électroniques, Le champ est beaucoup plus vaste. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons juste l'ARPCE qui régule les opérateurs de téléphonie mobile. Mais bien loin de là, l'ARPCE commence la régulation déjà au niveau des fréquences. Et les fréquences touchent le domaine des fréquences militaires, les fréquences de sécurité. Nous travaillons avec la SECNA, l'ANAC, dans le cadre de la navigation aérienne. Nous travaillons avec les radios, avec le Conseil supérieur de la liberté de communication. Nous sommes leur organe technique. Ils octroient des bandes de fréquences pour les différentes chaînes de télévision et de radio, mais l'agence de régulation est le bras technique qui veille sur les fréquences afin qu'il n'y ait pas de perturbation. Nous travaillons avec les fournisseurs d'accès à Internet aussi, ceux qui donnent Internet dans les maisons, les fournisseurs de satellites, les différentes. Nous sommes les garants de tout ce qui est échange
avec les entités internationales sur les communications électroniques, donc les entreprises satellitaires et bien d'autres. Le champ est large, ne se réduit pas uniquement à la téléphonie mobile, bien loin de là. Donc, nous travaillons sur l'Internet des objets, les montres connectées, tous ces nouveaux outils qui arrivent, les câbles sous-marins, la desserte du pays, les pylônes dans les installations. Nous donnons des agréments à ceux qui ont le droit d'installer des pylônes, mais aussi à ceux qui ont le droit de construire le pylône. Et nous veillons sur le marché et sur tous les raccords du marché, ce qu'on appelle la chaîne verticale de ce business, sur ce segment. Oui, revenez sur ce que vous venez de dire. Il paraît que vous régulez aussi les chaînes de télévision, les chaînes de radio. Moi, je pensais que c'était l'affaire du Conseil supérieur que dirige Philippe Mvaux. Non, M. Philippe Mvaux est le régulateur. Ah. Voilà, nous sommes l'organe technique, nous sommes l'appui technique du régulateur dans ce domaine-là. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une interférence, le Conseil supérieur de la liberté de communication nous saisit afin d'intervenir techniquement, parce que nous avons les équipements qui nous permettent de faire cela. Nous avons les équipements qui permettent de localiser une interférence et de descendre sur le terrain. Mais le régulateur de ce secteur, non, ce n'est pas la RPCE. Ah bon. Alors, vous avez donc sous votre tutelle, si j'ose dire, RTL, MTN, etc., Azure, qui a disparu des radars. Que lui est-il arrivé ? L'entreprise Azure, aujourd'hui, a été victime de plusieurs raisons. Aujourd'hui, le secteur est très, très concurrentiel. Vous savez, nous sommes un petit pays et aujourd'hui, nous essayons de ne pas accueillir trop de nouveaux opérateurs parce que lorsqu'un opérateur arrive, c'est un investissement lourd. Et les investissements se chiffrent en plusieurs milliards. Pour vous donner une idée de grandeur, un pylône coûte 100 millions de francs CFA. Ah bon? Oui, à l'achat. Et lorsque vous devez le rapporter ici, payer les douanes et les installer, les chiffres peuvent monter rapidement. Donc les masses de ferraille que nous voyons implantées sont très, très, très coûteuses. C'est très coûteux. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de calculs qui sont mis en place pour résister au vent, aux chutes. Alors là, je parle juste d'un pylône. Mais oui, lorsque vous devez acheter une licence, construire tout un réseau et faire respecter et rentrer dans un secteur concurrentiel, vous avez besoin de beaucoup d'investissements au départ, énormément d'investissements. Mais aussi, vous allez faire face à un marché où vous n'êtes pas le premier. Ce n'est pas un marché qui est vide et qui est vierge. Non, loin de là. C'est un marché où il y a déjà de gros acteurs comme MTN, comme RTL, qui sont là depuis des années. RTL qui a racheté Warid à l'époque qui était là à cause de la concurrence. Donc, stratégiquement parlant, vous devez avoir un business plan qui est solide pour pouvoir rentrer dans un marché déjà qu'il y a très, très peu d'habitants. Nous sommes autour de 4,5 millions, 5 millions, ce qui veut dire que nous sommes très, très inférieurs. Je prends souvent l'exemple en disant le plus petit opérateur de la RDC a 5 millions d'abonnés. Le plus petit. Et quand vous voyez un MTN en Côte d'Ivoire à 13 millions d'abonnés, au Nigeria, ils ont 70 millions d'abonnés. Vodacom en face de nous a 16 millions d'abonnés. C'est-à-dire que ce sont des pays à cause du nombre d'habitants. Cela va permettre une ouverture du marché sur plusieurs opérateurs. Alors lorsqu'un opérateur est le dernier entrant, il est très très difficile d'arriver. Il faut vraiment avoir toute une stratégie très solide. Et c'est bien ce qui a manqué un peu à Azure. Nous savons qu'Azure s'est battu énormément pour continuer avec l'aide de mon prédécesseur. Le régulateur a beaucoup soutenu Azure, mais malheureusement, sur la fin, il a fallu prendre une décision celle qui emmenait de sécuriser le marché. Parce qu'un seul opérateur qui ne va pas bien depuis des années peut emmener la chute de tout un secteur. Tout un secteur, c'est le cas que nous avons observé avec, par exemple, la promotion de Massolo à Gogo, que le régulateur, il y a quelques années, a dû arrêter. Parce que Massolo à Gogo, à cause de la gratuité, emmenait tout le monde à aller prendre une SIM Warid. Mais donc, du coup, ceux qui pouvaient appeler sur RTL ou sur MTN n'appelaient plus, passaient sur Warid. Mais Warid non plus ne gagnait pas d'argent parce que Warid avait mis de la gratuité. Donc, il veut dire que Warid elle-même n'arrivait même plus à payer ses fournisseurs, ses salariés. Nous avons été obligés de prendre une décision d'arrêter la promotion. Bien qu'elle soit, elle ait été très, très mal perçue par les consommateurs. Logiquement, le consommateur veut payer toujours moins cher.
mais elle a été salvatrice pour Warid. Alors, du coup, pour conclure, Azure n'existe plus. Je ne peux pas dire qu'Azure n'existe plus. C'est une entreprise congolaise. Elle doit déposer certainement le bilan, avoir des documents au niveau de la loi, du parquet, afin de pouvoir dire qu'elle n'existe plus. Mais aujourd'hui, nous n'enregistrons plus d'émissions radio-communication de l'entreprise Azure. Alors, qui dit régulation, dit rappel à l'ordre, dit même sanction. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de sanctionner? Si oui, dans quel cas? Oui, il nous est arrivé de sanctionner déjà deux fois. Certainement sanctionner les opérateurs de téléphonie mobile, plus précisément, et pour les mêmes raisons, c'était des questions de qualité de service. Lorsqu'un opérateur vient sur le territoire congolais, nous lui donnons un cahier de charges. Ce sont des normes à respecter pour pouvoir délivrer le service. Il est vrai que la qualité de service est un point qui touche directement l'abonné dans le ressenti client. Alors, une erreur au niveau de la téléphonie mobile qui peut être tolérée dans une entreprise où vous avez toute la journée, Internet n'a pas fonctionné, mais quand cela arrive sur un opérateur, c'est l'ensemble des abonnés qui est touché. Donc, lorsque la qualité de service n'est pas respectée, le régulateur respecte la loi, mais on demeure l'opérateur afin de pouvoir s'ajuster. Mais lorsque l'opérateur n'arrive toujours pas à atteindre les niveaux requis, nous sanctionnons. Donc, il nous est arrivé à utiliser la sanction qui était de 1% du chiffre d'affaires. Vous avez sanctionné qui ? Nous avons sanctionné à l'époque MTN et Airtel sur 1% de chiffre d'affaires. Nous avons donc après donné un délai pour se remettre à niveau. Et malheureusement, après ce délai, ils n'avaient toujours pas pu se mettre à ce niveau. Et nous avons donné une autre sanction qui était celle-là plus lourde. Elle n'était pas pécuniaire directement parce que 1% du chiffre d'affaires, logiquement, ça ne pèse pas énormément pour nous. Parce que le but n'est pas de sanctionner les opérateurs, c'est d'accompagner. Parce que lorsque nous sanctionnons 1% de chiffre d'affaires, ça fait mal à la poche des opérateurs. Derrière, ils peuvent décider de licencier afin de pouvoir tenir les coûts. Mais notre but n'est pas de mettre des Congolais au chômage. Notre but est d'arriver à avoir une qualité de réseau propre qui permette aux abonnés de pouvoir avoir le service pour lequel ils payent. Et donc la deuxième sanction était le retrait d'une année sur la licence. La licence, elle est valable 10 ans. Lorsque nous retirons une année, elle est plus lourde. Elle est beaucoup plus lourde en termes de retombées parce que c'est environ entre 50 et 100 milliards que nous privons l'opérateur parce que c'est son chiffre d'affaires de l'année entre 50 et 100 milliards de francs CFA. Alors la téléphonie mobile ne peut pas se faire sans ce qu'on appelle les pylônes. Quel est le rôle d'un pylône ? Le pylône, à proprement dit, il aide à la couverture. Quand nous voyons le pylône, nous avons deux espaces sur le pylône. Nous avons la structure en fer et nous avons le système antennaire qui sont des antennes. C'est tout ça qui forme le pylône. Alors, pourquoi nous avons besoin de pylônes ? Parce que les pylônes nous permettent d'émettre à hauteur. Vous savez, les ondes radio-communication sont comme les ondes de la parole. Si vous avez des murs, plusieurs murs, une personne, quelle que soit la puissance de votre timbre vocal, une personne qui se trouve à 5-6 murs ne vous entendra pas. Alors, c'est de la même raison pour laquelle nous mettons des pylônes, afin que les antennes soient mises en hauteur, afin de couvrir un grand nombre de personnes et d'aller le plus loin possible. Si nous mettons les antennes au niveau des maisons, le rayonnement ne va pas très loin, ne pourront pas atteindre la portée demandée. Dans des pays où il y a beaucoup d'immeubles, vous ne verrez pas des pylônes en fer. Ah bon ? Oui, parce qu'ils utilisent les immeubles en hauteur comme structure pour pouvoir positionner les antennes à un niveau haut et avoir une bonne portée. Mais comme notre pays, déjà depuis à l'époque, n'avait pas autant d'immeubles et il n'y en a toujours pas assez, parce qu'aujourd'hui nous avons près autour de 870 pylônes. Je vous donne à travers le pays. À travers le pays, je vous donne un nombre autour parce que à chaque fois nous donnons des autorisations, nous demandons aussi des démantèlements. Donc nous tournons autour de 860 pylônes. Et nous n'avons pas encore 860 immeubles des hauteurs de plus de 20 mètres, 30 mètres pour pouvoir nous affranchir des pylônes comme nous le voyons aujourd'hui. Qui décide du lieu d'implantation d'un pylône ? C'est vous ou les opérateurs ?
Les opérateurs ont au sein de leur fonctionnement ce qu'on appelle la direction de la planification et la direction des projets. Tout commence chez un opérateur par le marketing qui trouve que dans une certaine zone, il y a besoin d'un service. Le marketing remonte au niveau de la planification et au niveau du projet afin de pouvoir mettre une antenne dans cette zone. Et à ce moment, ils font la demande, après avoir négocié les emplacements, les locations de terrain, ils font la demande au niveau de l'agence de régulation. L'agence de régulation déploie une équipe sur le terrain accompagnée d'un agent de la SECNA, parce qu'il faut toujours un agent de la sécurité aérienne pour les hauteurs à cause du trafic aérien. Et à partir de ce moment, nous allons pour vérifier si, un, on a le droit de mettre un pylône à ce niveau-là, si cela répond vraiment aux besoins. S'il n'y a pas un autre pylône à moins de 500 mètres ou 1 km capable de supporter un autre système antennaire. Donc s'il n'y a pas déjà une structure de fer quelque part sur laquelle on peut venir agripper, rajouter des antennes. Parce qu'il y a des moments où vous allez voir une antenne à moins de 500 mètres, mais cette antenne n'est pas assez solide pour porter 2-3 opérateurs. Donc lorsque nous avons décrit un ensemble de toute cette procédure, à ce moment, si les tests sont positifs, nous accordons l'autorisation de construire le pylône. On a souvent critiqué l'implantation des pylônes dans les établissements scolaires, à proximité des hôpitaux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je vais être clair. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, il y a une différence entre le pylône qui est la structure de fer et les antennes. Rayonnent. Donc, un pylône qui est une structure de fer, pour moi, est d'abord le premier danger lorsqu'on va le mettre à côté d'une école ou à côté d'un hôpital à cause des vents. Nous avons un climat tropical humide, surtout lorsque nous allons vers le nord. Il y a beaucoup de vent, énormément de vent qui arrive même à désaxer certaines des antennes à cause de la puissance des vents. Et notre premier risque avec les pylônes, c'est la chute d'un pylône. Mais bien souvent, les abonnés pensent aux fréquences. Je vais rassurer que les fréquences ou les ondes ne nous tuent pas. Parce que là, au moment où nous sommes, M. Jean-Claude Kakou, il y a une multitude d'ondes qui nous traversent. Il suffit de mettre une antenne pour avoir toutes les chaînes de télé de Brazzaville, aussi bien de la RDC, toutes les chaînes radio, nos téléphones ricochent entre les murs, les ondes, la puissance de tous les opérateurs que nous recevons. Si les ondes étaient nuisibles à notre vie, nous serons certainement déjà morts. Mais aujourd'hui, ce que nous devons respecter, c'est la puissance d'émission. D'accord. La voix est une onde, elle ne vous fait aucune... vous ne souffrez pas au moment où je parle. Mais si je me mets à crier, votre tympan va prendre un coup. Voilà pourquoi c'est la puissance d'émission que nous devons réguler. Nous devons plus avoir peur de la puissance d'émission. Alors, lorsque nous mettons une antenne, par exemple dans une école, ce que nous n'avons pas autorisé jusque-là, pour la première raison, la chute, et non pas pour les ondes, la personne qui est en dessous de l'antenne ne craint pas les ondes. Parce que si nous montons le plus haut possible, c'est pour aller le plus loin. Le lobe, le rayonnement, ce qu'on appelle le lobe de rayonnement, comment l'antenne va propager ses ondes, ne touche pas le pied du pylône. Donc ceux qui sont en bas ne ressentent rien. Mais c'est plutôt si on me met un pylône, une antenne à ma fenêtre, là je peux me plaindre d'une forme de puissance. Alors une question qui revient souvent, monsieur le DG, quels sont les dangers du téléphone mobile pour la santé ? Le téléphone mobile aujourd'hui est devenu un outil qui est tellement accessible et tellement fait partie de notre vie. Mais le téléphone portable est un outil qui rayonne avec une puissance. Alors lorsque nous prenons un téléphone et nous restons des heures au téléphone à notre oreille, le sang étant salé, donc contient du NaCl, chlorure de sodium dans le sang. Ah bon, dans le sang ? Oui, le sang est salé. Donc il y a, et donc du coup, le sel est un conducteur radioélectrique. Donc du coup, si vous avez votre téléphone longtemps à l'oreille, le rayonnement peut entraîner un moment, vous pouvez avoir quelques maux de tête ou le téléphone chauffe. Les études ont démontré que ça ne tue pas. Voilà pourquoi, pour des raisons sanitaires, depuis plusieurs années, vous avez automatiquement les téléphones qui sont vendus avec des kits piétons
pour permettre aux personnes qui restent longtemps au téléphone d'avoir un kit piéton. Pour éviter que l'antenne, le téléphone qui est aujourd'hui même sans antenne, donc l'antenne est incorporée dans le téléphone, lorsqu'il émet à une forte puissance pour parler avec l'antenne de l'opérateur, il ne rayonne pas que dans votre tête. Parce que lorsque nous le collons, il rayonne avec nous autour. Donc voilà pourquoi je vous dis que ça ne nous tue pas. Mais pour des mesures de sécurité, lorsqu'on doit parler longtemps au téléphone, il faut avoir un kit. Voilà pourquoi l'une des missions de l'ARPCE, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui est méconnue, c'est l'homologation des terminaux mobiles. Oui, l'homologation, parlons-en. D'accord, ok. Homologuer un équipement, c'est permettre que l'équipement rentre dans le territoire congolais et soit utilisé. Notre rôle en tant qu'agence de régulation, c'est que tous les terminaux qui rentrent au Congo doivent être homologués afin d'éviter des terminaux de piraterie, afin d'éviter des terminaux qui explosent. Vous avez vu le cas de certains terminaux, même des plus grands constructeurs qui pourtant ont des process de test assez poussés, ont quand même mis sur le marché certains terminaux qui explosaient. Mais les terminaux de contrefaçon sont très dangereux pour la santé. Ce sont ces terminaux non calibrés qui peuvent devenir des sources de cancer à l'avenir. Et au niveau cancer de l'oreille, cancer. Notre travail est d'homologuer ces équipements. Malheureusement, ce qui est très méconnu au niveau des abonnés, lorsque nous avons lancé ce process d'homologation afin de pouvoir homologuer les équipements qui se vendent aujourd'hui au niveau du marché, que je dirais même le marché noir, parce que ce ne sont pas des équipements qui transitent officiellement par les douanes, parce que nous avons un protocole de travail avec le DG douane, l'adressant général de la douane, qui fonctionne très bien. Lorsqu'il y a un équipement de communication électronique qui rentre sur le territoire congolais, la douane nous saisit afin que l'ARPCE donne une autorisation. Et ce, peu importe l'équipement, ça va des drones aux téléphones portables, aux ordinateurs, aux tablettes, un ensemble de tout équipement que nous devons homologuer avant. Mais nous avons sur le marché énormément de commerçants qui font rentrer des téléphones dans des valises, qui ont des boutiques, des shops, mais malheureusement, ces téléphones ne sont pas homologués. Donc, ceux-là, ils échappent à votre contrôle? Ils n'échappent pas à notre contrôle parce que nous avons déjà commencé à les contrôler une fois, mais le consommateur, les associations de consommateurs se sont levées un peu en méconnaissance du bien fondé de cette mission pour l'utilisateur. Vous avez des téléphones qui se vendent sans garantie, des téléphones qui se vendent avec des prises qui ne sont même pas adaptées au Congo. Ça, juste pour la base. Mais vous avez des téléphones qui se vendent, au bout de 5-6 mois, le téléphone ne marche plus. Et le consommateur se sent obligé de racheter un téléphone au même vendeur, sans aucun accord de vente et de sécurité. C'est ça que nous devons empêcher, et c'est bien cette mission pour laquelle l'ARPCE a commencé il y a 2 ans à faire, je dirais, un contrôle poussé, accompagné de la gendarmerie, au niveau des vendeurs, en bilan sur la place des marchés, retrouver les autorisations qui ont permis à ces téléphones d'entrer. Mais ce travail est payant parce que les équipements coûtent énormément, les équipements coûtent cher. Pour pouvoir homologuer un petit téléphone, un téléphone 3G, l'équipement qui permet d'homologuer ce téléphone coûte autour de 260 millions. Alors aujourd'hui, nous sommes à la 4G, il me semble. 4G. Et bientôt arrive la 5G. Exactement. Bon, il paraît que la 5G, c'est pas bon pour la santé. Les gens la critiquent un peu. Bon, la 5G a beaucoup de raisons aujourd'hui. La 5G augmente la capacité de connexion à Internet. Il a des avantages. Beaucoup d'avantages. Voilà. Et avec cette capacité poussée, plus grande, de transmission, nous pouvons faire énormément de choses. Donc, ce qui va faire naître effectivement ce qu'on appelle l'IoT, l'Internet des objets, Internet of Things. C'est tout ce qui va parler de montres connectées, voitures connectées, réfrigérateurs connectés. Vous pouvez passer des commandes sans vous déplacer. Alors, ça augmente un rayonnement à un niveau très, très élevé. Donc, l'ensemble des études sont toujours en cours. Mais vous savez, tous les défendeurs de tout ce qui est évolution technologique trop rapide s'opposent. Mais aujourd'hui, la 5G n'est pas de l'avenir. Certains pays ont déjà développé de la 5G. Et nous allons observer pour voir déjà le fonctionnement. Donc la 5G n'est pas encore installée au Congo? Non, la 5G n'est pas encore installée au Congo pour plusieurs raisons.
Déjà, la 4G n'est pas saturée. Oui. Oui, vous avez au Congo aujourd'hui 70% des abonnés de la téléphonie mobile sont encore sur la 2G. Donc, à cause des moyens, ils ne peuvent pas s'acheter un téléphone 3G ou 4G. Donc, le réseau 4G est encore assez vide. Il est encore assez vide. Et nous devons d'abord, avant de penser à aller vers la 5G, commencer à nous battre pour que tous ceux qui utilisent encore la 2G puisse basculer au niveau de la 3G. Nous travaillons avec le ministère des Finances. Nous avons été reçus au niveau de l'Assemblée du Sénat. Nous avons évoqué ces questions pour voir comment étudier la question de rendre le téléphone portable ou le terminal d'accès, ordinateur, téléphone portable, accessible à tous, en réduisant peut-être les barrières douanières. La question est en étude avec les différents acteurs. Et nous allons voir comment, parce que bon, nous ne pouvons plus nous affranchir de ces technologies. Bon, l'identification des abonnés, Monsieur Sakala, parlons-en un peu. À quoi ça sert? Parce que beaucoup pensent que c'est la police qui en a besoin pour bien suivre les citoyens. Je vais déjà rassurer tous nos téléspectateurs qui nous suivent. Un pays en paix est un pays qui est sécurisé. Ah. Donc, dans tous les pays du monde, je le dis bien, dans tous les pays du monde, l'identification des abonnés n'est pas une norme imposée au Congo, c'est une norme imposée par l'Union internationale des télécommunications et depuis l'aube des temps. Si nous avons tous bonne mémoire à l'époque où nous avons les 82, 81, 83, des numéros préfixes de l'ONPT à l'époque, personne ne pouvait souscrire à une ligne téléphonique sans être enregistré. Voilà pourquoi il existait des annuaires où on pouvait retrouver tout le monde. Mais nous sommes rentrés avec une forme de psychose. Lorsqu'on fait une identification des abonnés, on pense automatiquement à des questions qui n'ont pas raison d'être. Je rassure aussi, oui, il est effectif que lorsqu'il y a des arnaques, des menaces par téléphone, les forces de sécurité saisissent le procureur qui donne une autorisation d'aller au niveau des opérateurs pour retrouver les propriétaires de ces numéros. Nous avons eu beaucoup d'arnaques au Mobile Money et nous continuons à combattre cela. Heureusement que nous avons mis en place l'identification des abonnés comme le recommandent les différentes normes internationales. Et donc l'identification d'abonnés a un bien fondé, sécuritaire, pas pour le pays mais pour nous-mêmes d'abord, parce que cela nous permet de savoir que nous ne sommes pas un électron et nous sommes capables de retrouver un numéro lorsqu'on l'a perdu, de retrouver un téléphone lorsqu'on l'a perdu avec son numéro dedans. Il y a beaucoup d'avantages à s'identifier. Vous parlez d'arnaque. Donnez un peu quelques exemples d'arnaque au Mobile Money. Vous avez des gens qui... Qu'est-ce qui s'est passé, par exemple? Qui vous appellent, d'après ce que nous avons vu au niveau des enquêtes, qui appellent pour se faire passer pour quelqu'un d'autre, déjà, pour dire que j'ai besoin d'argent, je suis un tel, ceci, parce que j'ai besoin de la personne faire un transfert, c'est une arnaque. Mais vous avez aussi d'autres qui se font passer, oui, telle entreprise de la place dont je t'ai le nom, vous avez gagné un prix de ceci pour recevoir ça, faites tel code. Et bien des personnes font le code dans la patte du gain facile, se mettent à faire le code, mais en faisant ce code, ils transfèrent le contenu de l'argent électronique qu'ils ont vers la personne. Donc, ce qui est douloureux souvent, c'est que ça tombe sur nos mamans assez vieilles qui ne connaissent pas toute cette technologie et qui sont souvent en train de subir. Donc, nous combattons énormément ça et nous avons déjà pu mettre la main sur pas mal d'arnaqueurs. Ils sont automatiquement déférés parce que nous travaillons avec la police judiciaire sur ces questions-là. Qui coupe l'Internet? C'est vous ou les opérateurs? Nous ne pouvons pas couper l'Internet déjà par notion de ce que parce c'est que même on Internet. On vous accuse souvent à tort, il me semble. Oui, on nous accuse à tort. L'RPCE est un peu victime aussi de son succès, de ce qu'elle fait, de son travail. Et aujourd'hui, si quelqu'un a un problème de réseau avec MTN, on va dire l'RPCE. Avec Airtel, on va dire l'RPCE. Si quelqu'un a fait une mauvaise manipulation et il s'est vu vider de son crédit, ou encore... Il a laissé son téléphone en mise à jour toute la nuit. Le matin, il n'a plus de crédit. On dit la RPCE ne sanctionne pas, la RPCE ne voit pas. Donc, la RPCE ne coupe pas Internet. Nous ne coupons pas Internet parce que nous n'avons pas le bouton pour couper Internet. Internet, quand vous voyez son fonctionnement, quand vous allez de votre téléphone sur Internet, vous ne passez pas par la RPCE. Vous passez par votre opérateur qui vous envoie sur Internet. Ah, d'accord. Donc, voilà un peu le fonctionnement.
Mm-hmm. Il n'y a pas de transit par l'RPCE pour aller sur Internet. En matière de téléphonie, M. Sakala, quelle est la place du Congo en Afrique? Je veux parler du coût de la communication. Le coût de la communication, aujourd'hui le Congo quand même, est à un coût de communication assez bas. Peut-être pas le plus bas du marché, mais un coût de communication assez bas. La place est difficile à décrire. Voilà, parce que comme je vous dis, dans un pays comme l'Inde où il y a 1 milliard d'habitants, on peut mettre la minute à 5 francs, le nombre d'abonnés qu'il y a sur le marché va rentabiliser. Ah, donc le calcul des coûts, nous le faisons en fonction aussi de la population afin de permettre, comme je vous disais tout à l'heure, que l'opérateur ne meure pas. Qu'à cela ne tienne, nous ne sommes pas nombreux, mais nous avons quand même un pays qui a des coûts avantageux. La preuve, je le dis souvent, dans bien des cas, les gens nous appellent de l'étranger en nous demandant « rappelle-nous, rappelle-moi, si vous, la communication ne coûte pas cher ». À l'époque, quand les opérateurs de téléphonie mobile ont commencé, la minute en France était autour de 1000 francs ou 2000 francs. Aujourd'hui, nous sommes à 100 francs, moins de 100 francs même, 90 francs pour la minute à l'étranger. Et en local, nous avons des minutes autour de 45 francs. Donc, la place du Congo est difficilement calculable. Mais bon, je peux vous faire par contre, ce que je sais, c'est la place de la data. De la data. Les dernières études de 2019 et de 2020 qui ont été faites par une entreprise anglaise d'audit, classaient le Congo en 15e position où le gigabit coûte 1,94 $. En 15e position en Afrique, donc sur 48 pays à peu près d'Afrique, nous sommes en 15e position sur le coût de l'Internet. Et nous sommes en 78e position dans le monde, sur 222 pays. Oui, donc, même. Vous voyez que nous ne sommes pas aussi, nous ne sommes pas les plus chers. Nous ne sommes pas les plus chers, nous sommes loin d'être les plus chers. Nous sommes plutôt en train de travailler. Aujourd'hui, avec tous les projets qui sont en train d'être faits au niveau, avec Congo Télécom aujourd'hui, la coordination entre l'RPCE, Congo Télécom et les différents câbles sous-marins que nous allons avoir, nous comptons créer encore une baisse de ce coût afin de permettre aux Congolais l'accessibilité à Internet à tous les niveaux. On parle beaucoup de l'économie numérique. C'est quoi l'économie numérique? L'économie numérique... En termes simples, hein, je sais que c'est très technique. L'économie numérique, si je dois voir dans sa globalité, c'est tout ce qui permet de faire rentrer de l'argent par le numérique. Alors, il y a une contribution qui est une contribution directe via les opérateurs de téléphonie mobile, mais pas que les opérateurs de téléphonie mobile. Tout à l'heure, vous avez parlé du spectre d'action de l'RPCE. Nous travaillons aussi avec les opérateurs pétroliers. Ah bon? Oui, les opérateurs pétroliers qui ont des barges pétrolières, ils ont énormément de systèmes de communication sur les barges pétrolières. Donc nous allons en haute mer pour aller faire des contrôles, des bateaux qui viennent transiter par le Congo, nous allons les contrôler. Mais tout cet argent qui peut arriver dans les caisses de l'État fait partie de l'économie numérique. Mais au sens plus large, la contribution directe qui fait certes partie de l'économie numérique ne s'arrête pas là. Vous avez tous les emplois au niveau du chiffre d'affaires, les impôts créés, la TVA, tout, l'ensemble de tout ce qu'un opérateur en termes de communication électronique ou des postes paye à l'État fait partie de l'ensemble de l'économie numérique. Souvent, on nous demande les contributions sont assez minces. Oui, elles peuvent être minces en termes de revenus parce que le marché peut souffrir d'une crise aujourd'hui que nous connaissons. Mais la réalité, c'est qu'elles peuvent se compenser en termes de chiffre d'affaires, en termes de taxes au niveau des impôts. Mais l'ensemble fait partie de l'économie numérique. Alors, on parle aussi de plus en plus de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire? L'intelligence artificielle, c'est le fait que certaines décisions sont prises par des machines ou par des robots. Ah. Elle commence d'abord parce que... L'intelligence artificielle, c'est l'ordinateur? Non. Non. L'ordinateur fait partie de l'intelligence artificielle. Je vous donne un exemple. Nous allons collecter, par exemple, des données. Nos téléphones donnent des données de ce que nous faisons, des déplacements que nous pouvons avoir, des sites Internet que nous pouvons communiquer, avec qui nous pouvons communiquer, des personnes avec qui on échange, et aussi même de certaines de nos courses que nous pouvons faire sur Internet. Ces données sont stockées dans des machines pour créer ce qu'on appelle le big data, donc un ensemble de beaucoup de données. Et des machines sont mises afin d'étudier, par exemple, le comportement. Dire que les Congolais, par exemple, passent plus de temps
en suivant des émissions telles que la vôtre, que par exemple en suivant des séries de certaines chaînes, ainsi de suite. Donc l'intelligence qui va venir travailler de manière automatique afin d'aiguiller certains choix, c'est cela l'intelligence artificielle. Elle vient pour venir traiter un ensemble de données et créer des réponses à la décision. Je vous donne un exemple simple sur un site de course de commandes très connu. Quand vous commandez de la lumière, vous commandez quelque temps après un dressing ou un lavabo, automatiquement, ils vont commencer à vous fournir toutes les pièces qui vont dans l'ordre de la construction. C'est une intelligence artificielle derrière qui va se dire, cette personne a pris 3-4 éléments pour, en termes de construction, je vais lui proposer d'autres produits. Quand vous allez ouvrir votre page internet, vous aurez à côté des produits qui commencent à vous intéresser. Tout à fait. Si vous avez à commander une fois un micro et une autre fois un piano, ils vous proposeront une guitare après. C'est l'intelligence artificielle qui est derrière. Alors, l'RPCE, M. Sakala, c'est combien de personnes? Le personnel est estimé à combien d'individus? 279 personnes. Ils sont tous à Brazzaville? Non, pas du tout. Répartis sur aujourd'hui 4 antennes et bientôt 5. Pointe-Noire, Dolisie, Ouesso, Brazzaville aujourd'hui. Et nous allons ouvrir une antenne à Oyo très rapidement pour désengorger ou décharger l'antenne de Ouesso qui travaille sur toute la partie nord toute seule. Alors, en lisant votre biographie, je découvre que vous êtes un ancien enfant de troupe, un AET, comme on dit. Pourquoi vous n'êtes pas resté dans l'armée? Bon, le choix de rester dans l'armée, je suis toujours dans l'armée. Ah bon? Oui, je suis en détachement et je suis détaché dans l'armée. Je suis à quel grade? Aujourd'hui, je suis capitaine, logiquement, dans quelques mois, pour passer commandant. Mais je suis toujours à l'armée, je suis détaché. Et pourquoi aujourd'hui, mon cursus a basculé totalement vers ce que nous on appelle le civil. C'est simplement parce que lorsque j'ai fini mes études, la coopération avec les différents concours qui se faisaient était arrêtée. Donc j'avais eu une autorisation à l'époque, le chef d'état-major, c'était le général Jacques Ivandolou, une autorisation de poursuivre mes études à l'étranger. Et donc j'ai poursuivi les études et quand je suis rentré avec, non pas l'envie simplement de repartir à l'armée en 2010, mais j'ai été contraint, le chef d'état-major m'a demandé de réintégrer les rangs et je me suis appliqué à réintégrer les rangs. Alors quand on parcourt votre biographie, on découvre que vous avez été un cadre à l'EADS, une grosse société européenne, vous avez été un cadre à Thales, basé en France, où vous gagnez très bien votre vie, mais un bon matin, vous claquez tout et vous rentrez au Congo. Quelle mouche vous a piqué? C'était certainement pas une mouche, sinon je l'aurais tué. Vas-y, bien dit. Oui, parce que, bon, vous savez, lorsqu'on évolue à l'étranger, on se leurre. On a un gros leurre qui consiste à croire que nous sommes les meilleurs et qu'on n'a pas besoin et que l'Afrique est derrière et ça ne sert à rien de rentrer. Donc, surtout lorsqu'on travaille dans des entreprises avec une très haute technologie où on gagne bien notre vie, où on travaille, on est respecté. J'étais sur tout un plateau de près de 150 personnes, j'étais le seul noir. Donc, c'était une fierté aussi bien pour moi-même, pour les Noirs, mais aussi pour le Congo. Tout à fait. Mais en 2009, lors de la création de la RPCE, mon prédécesseur, le DG Yves Castanou, m'avait appelé et discuté avec moi, puisque nous avons des affiliations autres que celles des télécoms. Il m'a demandé de rentrer. C'est vrai qu'après plusieurs hésitations, je garde toujours cette phrase en tête. Il m'a dit, tu sais, nous regardons beaucoup de l'étranger, nous pouvons critiquer. Mais là, on nous donne la possibilité d'arriver sur le secteur et de changer les choses. J'ai pris 2 semaines à l'époque pour venir au moment de la passation, donc au tout début. Et l'amour du pays. Pour venir tâter le terrain. Oui, l'amour du pays m'a rattrapé. Ah. J'ai envoyé ma démission tranquillement chez Thales. Je savais que derrière, bon, les diplômes, par la grâce de Dieu, j'en ai. Donc si ça n'allait pas, j'aurais pu rebondir. Mais bon, le but n'était pas de rentrer pour ne pas que ça aille. Le but était vraiment de venir créer une différence, de gagner des prix. Nous avons été fiers en 2014 d'avoir gagné le prix de la meilleure régulation d'Afrique centrale. Et la vision est toujours celle de faire entrer le Congo dans le top 5 des pays africains en communication électronique.
Monsieur Sakala, nous arrivons à la fin de notre émission. Où est Monsieur Castanou maintenant? Monsieur Castanou, il est le DG de Congo Télécom. Et je me suis laissé dire que là où il est, il fait des trucs épatants. Vous avez entendu parler? Oui, certainement. Je suis congolais et j'apprécie. Mais je crois que c'est la raison pour laquelle il a été envoyé là-bas. Le Congo se doit d'avoir un opérateur historique fort. Tout à fait. Le Congo se doit d'avoir des institutions fortes. On ne peut pas devenir un pays fort avec des institutions faibles. On ne peut pas devenir un pays riche avec des citoyens pauvres. Donc, lorsqu'on veut devenir fort, on se donne les moyens de faire respecter l'État. Aujourd'hui, la RPCE est là. Moi, je prends une entreprise qui aujourd'hui brille et qui fait la fierté du Congo bien au-delà. Aujourd'hui, le Congo, en termes de régulation, est pris en exemple. Vous pourriez le vérifier dans des cas de formation aujourd'hui. La mise en place, par exemple, de la structure de nos coûts tarifaires afin de sécuriser le marché aujourd'hui est un cas d'étude dans les écoles de régulation. Donc, mais ce sont des choses que nous avons osées et que nous allons continuer à faire. Et à Congo Télécom, je pense que la personne qui a été nommée est une personne dynamique, une personne qui est capable de faire bouger les choses. Et pour nous, c'est tout à fait. Pour nous, de la RPCE, ce que nous voyons ne nous choque pas. Pour nous, c'est le quotidien, c'est normal. Nous aurons l'occasion de recevoir M. Castanou dans cette émission. M. Sakala, merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de votre temps très précieux. Je dois remercier aussi la responsable de la communication à la RPCE, notre consoeur Sarah Aoui, qui a pris tous les contacts pour rendre possible cette émission. Merci à vous qui avez suivi ce numéro. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.